Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi ça va. Bienvenue sur No Man's Sky pour nos carnets de voyage quotidiens. Heureux de vous retrouver, peut-être à la veille de la nouvelle mise à jour. Allez, nous on va continuer notre voyage. Allez, go. Pour l'instant on a le grand chelem dans ce système au niveau des animaux, on a tout découvert. Espérons que ça aille aussi bien aujourd'hui encore une fois. En plus une planète tempérée. Celle-ci est humide. Allez, là il doit y avoir de l'eau, je pense. Allez, on va se mettre là, on y revient. Yes, il y a de l'eau. De l'eau orange. Tenter ici. Alors. Bruine surchauffée. Très bien. Ça. Alors, combien d'animaux? 10 espèces. Donc 4 sous-marines. 4 sous-marines et une volante. Ok, très bien. Roche volcanique. Ok. 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 Est-ce qu'il y a du crabe dans le coin? Non. De toute façon, là-bas c'est du verre. On va repartir près de la côte. On va profiter pour aller du côté où est-ce qu'il fait plus clair, parce que là il commence à te faire noir. C'est bientôt là. Ah, il y a un oiseau ici. J'ai vu un oiseau dans le ciel là, ici. Autant profiter, parce que si jamais il se peut que je puisse pas le trouver ailleurs. Donc comme les oiseaux, on a du mal en ce moment. Voilà, donc là c'est bon. Donc il nous manque plus que deux aquatiques et le restant en terrestre. Allez, là, ça m'a l'air pas mal. Là c'est juste sur la côte. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de souterrain sur une planète avec de l'eau. Des fois c'est compliqué. Voilà, ça m'a l'air bon. Et ça m'a l'air très beau. Ah ouais, le sol gris avec les arbres rouges, rouge-marron.
C'est très très beau. Ah ouais. Ah, c'est stylé. De l'herbe grise. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu une planète avec de l'herbe grise. Là, un animal ici. Un blob. Ouais, l'herbe est vraiment pas mal. Hein. Franchement, je me rappelle pas avoir vu de l'herbe grise. Avec des plantes rouges. Voilà, c'est magnifique. Je vais peut-être garder une base ici parce que c'est vraiment intéressant. Herbe grise, je vais marquer. Mais non, c'était pas ça. Ah, le con. Je me suis trompé de truc. Ici, ordinateur de base. Ah ouais, c'est super joli. Non, je dans mes 365 carnets de voyage, j'ai jamais eu d'herbe grise. En plus, ça peut être juste avant de terminer notre voyage. Alors, j'ai marqué herbe grise. On espère qu'il va pas me mettre un filtre anti-insanité. Ok. Ouh, il vient d'apparaître lui. Yes. En plus, c'est magnifique. Elle est magnifique, cette... Juste au bord de l'eau, ce spot est superbe. Allez, on va faire les arbres. Tout ce qu'on peut trouver. Allez, arrête, plus rien, allez. Ah, ici. Bon, et... Ah, le crabe est là. Ah, tout se passe bien aujourd'hui. Une nouvelle fois. Comme d'habitude. Récemment, comme d'habitude, mais après, ça s'est gâté. Tout est bien parti au départ. Et après, plus moyen de trouver les animaux. Encore un lore.
une seule. Ah, il y a du cryptobiote partout. Hein. Alors on va changer de coin. Allez, on va se mettre là. Alors, ah, il est beau celui-là. Tronche de piranha. Donc un inhabituel, il me manque. Un verre ici. Hashirama Saint-Just, 7 minutes a dit, CAM aura servi de leçon. La faune est suffisante. Alors pour finir là, peut-être la notre carnet de voyage. Ah, je suis gâté pour la dernière peut-être. Si la mise à jour tombe aujourd'hui. Bien sûr, c'est magnifique. Du gris et du rouge mélange magnifique. Ah, je suis sur le cul.
Ah, on n'avait pas fait la plante d'oxygène. Bon. Où est cette dernière espèce? On a déjà eu le gros blob, donc c'est pas un gros blob. En plus, c'est un inhabituel, donc c'est pas un gros. Ah, la deutérium est là-bas. Ok. Allez, où est-ce que tu te caches, dernière espèce là? Ici. Alors, des cristaux flottants ici. Ah, qu'est-ce que c'est beau, la vache. Récupérer de l'aliment. Un point d'eau ici, pas mal. Ah ouais, oh mais non, de toute façon ici il n'y a pas de module enfoui. Déjà il n'y a pas de machine à réparer.
Là-bas, c'est du vert encore. Encore un ici. Vraiment superbe. Ah, j'étais gâté là pour la dernière planète peut-être de la mise à jour. La dernière planète de Beyond. Là c'est un verre encore. D'accord, un haricot à impulsion ici. Ah, c'est beau, le coucher d'étoiles là. Et avec la nuit, l'herbe devient, prend une teinte bleue. Bon, allez. Changeons de coin. Allez, allons voir ici. Bon, 10 heures, c'est pas mal. On aura un peu de temps. Alors. Là, c'est du vert. Encore du vert. Vert. Ah voilà. Nickel. Un blob moyen. Et ben voilà. Nickel pour peut-être pour le dernier système. Avoir le grand chelem.
Eh ben c'est cool. Allez. On va continuer encore un peu. Franchement, elle est magnifique. On va retourner à la base. C'est beau, hein, bord de l'eau comme ça. C'est superbe. Oh, il manque un plaquage métallique. Je vais ramener ça. Voilà. Mais bon, ça charge. Voilà. 4 plaquages et 2 nanotubes. Voilà, nickel.
Voilà, bon. Alors, station spatiale. Ok, bon. Allez, on y va. Bon, on va se préparer. On va se mettre juste à côté de la prochaine planète. Donc il nous reste plus que la grande. Voilà, celle-ci. Allez, on va se mettre là, au cas où il n'y aurait pas encore la mise à jour ce soir. Allez, ce sera au cas où ce sera pour demain. Bon, on va cesser à tous les amis, j'espère que ça vous a plu, likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas la petite cloche pour le référencement de la chaîne et pour ne pas rater de mes vidéos, et on se donne rendez-vous peut-être ce soir pour la mise à jour, ou alors pour demain, pour la suite des carnets de voyage, et d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, allez, ciao, ciao.